Coucou. Partagez le direct, s'il vous plaît. Et puis, bipez-moi. JM. S'il vous plaît. Désolée, hein. Comment vous allez? Moi, ça va, hein, j'ai bien. Avant toute chose, je tenais à dire un grand merci. Excusez, je tenais à dire un grand merci à tous mes abonnés. Voilà, les vrais. Pas des faux. Je n'ai dit un grand merci à tous mes abonnés, non seulement pour le soutien, pour votre amour et la considération. Je voulais aussi dire merci aux mamans, voilà, que tu sois nouvelle maman, ancienne maman et toi, maman, c'est maman, pour tous vos messages de quand kilo et par rapport au colique de kilo, le colique qu'il a. Bon, là c'est pas encore fini totalement, mais on a été voir le pédiatre. En tout cas, ce que le pédiatre m'a donné, ça a bien marché. J'ai pris quelques astuces. Astuce. Ah oui, j'arrive jamais à prononcer ça. Astuce. Astuce. Voilà. Qui l'ont énormément fait du bien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Bon. Il a moins mal que les débuts. Donc là, il y a du mieux un peu. Je suis un peu soulagée, mais ça va. En passant, j'espère que vous allez bien. Voilà. Bon. Partagez le direct. Cette page-là, ils ont gâté ma page. À force de signaler. On va pas couper pour aller sur l'autre page, la nouvelle page. Au moins là-bas, il y a un peu de monde quand même. Parce que là-bas, tout est propre. C'est bon, c'est bon.
C'est quoi ça? Théagine MR Sebado, plus 44. Partagez le direct, attendez, je fais un truc vite fait. Qu'est-ce qui se passe? Je pense aussi, ici, là, ça ne monte pas parce que, comme je vous ai dit, là, tellement signalé que vous appelez quelqu'un absent de coupe. Attends. Quand on vous dit partager le direct, là, on vous a... Kiki. Donc voilà, voilà, j'étais disant que j'ai vu le message du grand frère J. Vu que c'est cette page qu'il a taguée, donc c'est pour ça que je me suis connectée ici, parce que cette page-là, c'est aujourd'hui matin là même qu'ils ont débloqué pour que je puisse faire direct. Sinon, je ne pouvais pas faire de direct. Donc c'est très restreint. C'est très, très restreint. Facebook même me menace de pouvoir la supprimer. Mais bon, je fais le live pour lui. J'ai vu son post ce matin. C'est quelqu'un que j'ai connu sur la toile, JM, le grand frère là. Bon, il n'y a pas longtemps que je le vois sur la toile. Il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à le suivre. Vous voulez qu'on parte sur l'autre page là, non? Parce que ici, la page, ça là, c'est mort. Pour monter, mais c'est problème. C'est devenu. Ils ont gâté ma page là. Je pense qu'elle laissait reposer pendant un bon moment. Et puis après, elle est revenue. Peut-être. Mais dites-moi, si vous voulez qu'on parte sur l'autre page, je vais couper. Ici. Écrivez en commentaire sur la nouvelle page là. Là-bas, il y a pas beaucoup de monde. J'ai pas beaucoup d'abonnés là-bas, mais bon. On n'entend rien. Ah bon? Vous entendez pas? Attends, il y a vérifié. Comment ça vous entendez rien?
Allô? Pardon? Oui, bonjour. D'accord. Sur quoi? Sur quoi? Vous avez payé sur quoi? Sur le PayPal? Vous avez la capture? D'accord. Vous pouvez me renvoyer ça tout de suite là? Merci beaucoup. Mais on entend là, on entend bien. Mais pas entendu voix de Kylian. Donc je disais que BPJM, @JM. Donc je l'ai connu, enfin je le découvre il n'y a pas longtemps sur les réseaux. Voilà. J'ai vu qu'il est dans l'événementiel. Je pense qu'il est burkinabé, non? Voilà. Donc, j'ai vu ce matin, il m'a fait un long. Si tu n'entends pas, c'est ton problème. Moi, j'entends très bien ici. Faut aller mettre volume sur ton téléphone. Voilà. Nico, est-ce que tu entends? Parce que moi, j'entends bien. Moi, j'entends. Nico, est-ce que tu entends? Parce que moi, j'entends bien. J'entends. On peut aller mettre volume sur ton téléphone. Je sais pas. Voilà. Donc, j'ai vu son message où il me demande de stopper les clashs et tout. Déjà, grand frère, je voulais te dire, c'est pas un clash. Je voulais dire au grand frère déjà que ce n'est pas un clash, c'est un recadrage et déconstruction. Ce n'est pas un clash. Voilà. Un vrai clash. Quand il doit faire vrai clash, là, les gens connaissent. Facebook me tape ses pieds. Ce n'est pas clash. Depuis, il n'est pas là. Vous m'avez vu insulter ses parents ou insulter quelqu'un de sa famille. Et, comment on appelle ça, sur ses enfants? Je reste dans ma logique. Ce n'est pas un clash. C'est imposer le respect. Parce que, en fait, c'est quelqu'un avec qui j'ai tout fait pour ne pas m'affronter. J'ai tout fait pour éviter certaines choses. Mais comme il pense qu'il est malade, je lui ai montré que même s'il vient d'accoucher, là, il peut devenir 3 fois plus bête que ce qu'il pense pas. C'est tout. Sinon, grand frère, ce n'est pas clash. Et deuxièmement, mon enfant n'a pas le colique. Le colique, tous les enfants ont ça. Voilà. Tous les enfants ont ça. Voilà. Tous les enfants ont ça. Il y a certains enfants qui épargnent après ce que le pédiatre m'a dit. Je suis en direct et quand je finis, je regarde, monsieur. Voilà, merci. Donc, tous les enfants, tous les nourrissons ont ça. Voilà. Mais il y a certains qui épargnent. Il y a certains qui n'ont pas. Mais la majorité, c'est-à-dire sur 100, il y a au moins 95% d'enfants
qui ont le colis, qui attrapent le colis. C'est comme la varicelle, voilà, la varicelle. C'est comme la varicelle, voilà. Tous les enfants, quand on est petit, quand tu n'as pas varicelle, quand tu es petit, quand tu grandis, tu gagnes. Si tu n'as pas eu varicelle, quand tu es petit, quand tu grandis, tu as varicelle. Voilà. Donc, concernant mon fils, concernant Kilou, je pense à lui. C'est parce que je pense à lui même que je suis venue imposer le respect. C'est parce que je pense à mon enfant que je ne souhaiterais pas que quelqu'un se lève et me manque de respect à tout moment. C'est ça le problème. Je ne souhaiterais plus que quelqu'un se lève sur ce réseau social, des gens qui n'arrivent pas à manger à leur faim, des gens qui n'ont rien. Oui, parce que oui, Aïe est venu s'asseoir ici pour expliquer son vécu. Hein? Donc, à chaque fois, ils vont se permettre. Depuis, ils avaient. Au début, quand je suis venue en France, je n'étais pas encore en règle et tout. Et que j'ai dû expliquer que oui, j'étais en train de faire mes démarches pour être en règle. Donc, le manque de respect s'est installé. Ici, quand tu n'es pas en règle, les gens se te manquent de respect facilement. Comment les gens appellent ici sans papier là? Les gens te manquent de respect facilement. Parce que tu dis que comme tu n'es pas en règle, tu n'es pas aussi comme, tu n'es pas un être humain comme les autres. Et je l'ai remarqué. Je l'ai remarqué. Pourtant, c'est une, comment on dit, pour être en règle en Europe ou bien pour être en règle là où tu vis, peu importe, même si ce n'est pas en Europe que c'est en Afrique, tu peux même quitter en Côte d'Ivoire, tu vas aller au Togo, tu vas aller au Bénin, tu vas aller en Tunisie ou où vous voulez. C'est des pays, après, il faut, s'ils ont des titres, ils ont des titres de séjour, qu'il faut suivre des instructions pour pouvoir être en règle. C'est pas une malédiction, c'est pas que tu es disqualifié des humains et que les gens vont se permettre de te manquer de respect. J'ai remarqué, même dans la vraie, c'est-à-dire que là on est dans le virtuel, dans la vraie vie, je connais des personnes qui ne sont pas en règle, à qui les gens manquent de respect facilement. À qui les gens manquent de respect facilement. Pourtant, ces personnes-là, certains ne sont pas en règle, mais ils ne meurent pas de faim. C'est juste des papiers, il faut attendre pour pouvoir avoir. Ça ne te fait pas, ça ne fait pas de toi quelqu'un à qui on doit venir chier là-dessus à chaque moment. Des gens font des choses pires que toi sur les réseaux sociaux, mais dans leur tête, c'est là, ou bien celui-là n'est pas en règle, donc on doit le rabaisser, on doit le ridiculiser. Ça, moi je trouve que c'est pas normal. Et que vous soyez en règle, je m'adresse en même temps à ceux, certaines personnes qui n'ont pas encore eu leur papier en Europe. Que vous soyez en règle ou pas, ne permettez jamais à quelqu'un de vous manquer de respect. Parce que même le sans-papier en Europe, il a ses droits. Même celui qui n'a pas encore obtenu ses papiers, il a les droits. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu n'as pas que quelqu'un va venir chier sur ta tête. Quelqu'un va te manquer de respect. Celui qui a ça là, quand il est venu, il n'avait pas. Il est venu, il n'avait pas. C'est des options, il a suivi pour pouvoir l'avoir. Donc, quand toi, tu viens d'arriver là, il ne faut pas permettre à quelqu'un de te manquer de respect ou rentrer dans tes 6 mètres ou bien te manquer de respect. Donc, impose le respect autour de toi. Peu importe ta situation de vie, le respect est très important. Le respect est la seule, le respect, la dignité est la seule chose que personne ne peut te l'arracher. Et aussi ta foi. C'est-à-dire la foi que tu as en Dieu, ta dignité, ta fierté là, et puis ton respect là. L'être humain ne peut pas remplacer ça avec quelque chose d'autre. Donc si tu as laissé l'homme bafouer ta dignité, te manquer de respect, ça veut dire que toi, tu n'es rien. Tu n'es rien. J'ai tant appelé les gens, grand frère, grande soeur. Ils ont pensé que c'est parce que j'étais faible. Ils ont pensé que c'est parce que j'étais faible. Donc, ils avaient la facilité. Si vous remarquez, des gens ont beaucoup la facilité à vouloir essayer le manque de respect me concernant. Et ça, plus jamais.
plus jamais je vais permettre ça. Il y avait une dame sur les réseaux sociaux ici, Lynn Fashion. Quand elle est venue sur Facebook, elle m'insultait au début. Après, elle a commencé à venir vers moi. Je l'ai prise comme une grande soeur. Dernièrement, elle fait des sorties ici. Bande de cons. Elle fait des sorties couillons ici. Souvent, elle se lève, elle insulte les gens inutilement. Elle se mêle des histoires qui ne la regardent pas. Souvent, elle va se lever, elle va venir attaquer une vidéo. Elle va attaquer telle personne. Elle dit ses vérités. Personne ne l'empêche. Mais la ventier, je ne sais pas si elle pense que c'est elle qui est la seule mariée en Europe ou bien celle qui est la seule mariée du monde. Elle s'est levée, elle a voulu me manquer de lui. Elle est recadrée très vite. Elle est restée dans sa coquille. C'est ça maintenant. Ça ne fait pas de moi, je ne suis pas une histoire avec elle. Mais il est recadré très vite, vite fait, bien fait. Où elle est là, là? Elle connaît sa place me concernant. Parce qu'il y a des gens qui parlent ici, elle n'a pas qu'à de parler sur eux. Il y a des gens qui la traînent dans la boue ici, là, c'était ici. Je ne suis pas la maître de quelqu'un. Voilà. C'est pour ça que je suis sortie. Pour mettre les choses dans leur contexte. Pour faire comprendre à certains d'imbéciles sur les réseaux sociaux que je ne suis pas leur maître. Si je t'appelle grand frère, c'est parce que je t'ai respecté. Sinon, à la base, je n'en ai rien à foutre parce que tu ne payes pas mes factures. Tu ne payes pas mes factures. Depuis que je suis là, il n'y a pas quelqu'un, si on enlève Yaka de côté, sur les réseaux sociaux ici, que j'ai accouché, qui m'a appelé pour me dire, ah, je vais venir payer ta maison ou bien te donner, payer l'aide de ton enfant. Depuis que je suis enceinte, quand maintenant, je n'ai pas attendu un blogueur ou bien quelqu'un sur les réseaux sociaux pour vivre. Donc, si j'arrive à me nourrir, j'arrive à payer mes factures, j'arrive à m'occuper de mon enfant et m'occuper de ma famille, m'occuper de certaines personnes même qui ne font pas partie de ma famille, qui me demandent des services à qui je rends, quelqu'un sur Facebook n'a rien à me dire. Quelqu'un sur Facebook n'a rien à me dire. Personne n'est mieux que moi sur Facebook ici. Donc, grand frère, je voulais te dire, ce n'est pas un clash. Moi, je ne suis pas en train de faire. Moi-même, ça m'amuse. Je ne mets pas les organes. Hein. Je ne mets pas. Les gens me connaissent quand ils mettent les organes là. Ce n'est pas ça là. Je ne mets pas les organes. C'est lui qui met les organes. Je suis là pour déconstruire une personne qui passe son temps à mentir à chaque fois et qui pense que personne ne peut l'atteindre, qui pense qu'il est trop arrivé. Hier, mon direct, il est tellement déconstruit dans mon direct qu'il est sorti hier pour raconter tout et n'importe quoi. Les mêmes injures, là. Il est très, n'est pas là à l'école, ton con, courut d'ici, tant, tu es une prostituée, tout le monde te baise, les spams, c'est les mêmes conneries. Pour un vieux de son âge, ça fait honte. Et c'est vous les mêmes, certains ici qui vont s'asseoir pour le regarder. Quand c'est pas votre personne, il insulte là, vous dites qu'il est mauvais. Quand il insulte vos personnes ici là, vous venez, on n'insulte pas les femmes, solidarité féminine. C'est là qu'on vous voit faire venir faire solidarité féminine. Quand il insulte en désordre ici certaines influenceuses ici. Tels que les coachs à Monchik et tout là. C'est là que vous venez dire, solidarité féminine, les blogueurs là, un homme insulte les femmes, vous ne partez pas réagir. Mais c'est vous les mêmes là. Quand il s'assoit pour faire ses bêtises, vous partez l'encourager. Vous pensez, il pense qu'il est, il est trop intelligent. Je lui ai demandé une seule chose qu'il n'a, il ne peut même pas, il n'est même pas fichu de le faire, montrer là où il vit. Il est là, il cite le nom des grandes des célébrités. Drogba, qu'elle a là, Drogba, on sait où il habite. Quand Drogba est chez lui, il fait des vidéos dans sa maison. Quand il reste sur Instagram de Drogba, souvent c'est story time là. Il filme ses enfants dans sa maison. Là, il y a sa femme qui est enceinte, sa chérie là qui est enceinte. Il se balade dans leur maison. Donc les gens qui, quand ils parlent et puis ils l'ouvrent, savent, même le président de la République, on sait, moi je sais comment la présidence de la Côte d'Ivoire est. Les couleurs de la présence. Il est le seul sur les réseaux sociaux, on ne sait pas où il habite. On ne connaît pas sa maison. Il est dans un trou à rat. Quand on parle de sa maison, il doit venir insulter. On dit, monte ta maison. Oh ton con, tu as donné à Pierre, tu as donné à Jacques, tu as donné à Simon, tu as donné à Ceci. Et puis les gens, c'est dosé. Hein. Il peut créer quoi? Rien.
C'est comme quelqu'un, un enfant, quand il sait qu'il n'a pas raison, il mélange tout. Il met en palabre. C'est comme un homme. Tu es en relation avec un homme, tu l'as attrapé dans son infidélité. Tu as attrapé ton homme en plein délit d'infidélité. Et puis, il met en palabre. Il vient mettre en palabre pour trouver que c'est toi qui n'as pas raison. C'est ce qu'il a fait là. Et tous des enfants là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il sait qu'il a perdu un mot sur tous les plans. Donc là, il sait que c'est. Il y a tout gâté sur lui. Il a plus, il ne peut plus lui donner respect. Donc qu'est-ce qu'il va faire? C'est gâté, hein? On m'a attrapé. Hein? Il a menti ici qu'il n'y a pas une maison tant il n'y en a pas. Donc il va faire quoi? Il a insulté son con. Là, les gens vont venir regarder. Les gens vont venir dire, je suis fort, hein? C'est tout. Il n'apporte pas d'argument. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dit qu'il est concret. Il a ouvert sa bouche, il est volé. Gen, devant vous hier, j'ai appelé pour peut-être Gen, là, vous avez entendu. Tout ce qu'il a dit sur moi ici, là, j'ai mis son contraire. Tout ce qu'il a dit sur lui, il ne peut pas me contrer. Il ne peut pas me contredire. Il ne fait que mentir. Aujourd'hui, il va sortir pour faire direct son direct de là, ça va venir insultant comme mon con. Ça pour venir faire la même chose là. Ton con ceci, ton con cela, un intellectuel, quelqu'un qui se dit aller à l'école, il allait à l'école. Quelqu'un qui se dit intellectuel, il vient apprendre aux gens comment on insulte les cons. Et c'est lui qui dit que je suis lettré. Lui qui est lettré, qui allait à l'école, qui doit nous apprendre le savoir qu'il a appris à l'école. Mais non, lui la seule chose, quand il perd un clash, il rentre dans les intimités, dans les entrejambes de la femme. C'est tout. Donc lui comme ça, non, tu n'es pas là à l'école, tu n'es pas intelligent, mais toi qui es intelligent, tu dois m'apprendre l'intelligence par tes dits, parce que c'est ce que nous transmet, nous, c'est ce qu'on transmet aux gens qui montrent qu'on est bien éduqués. C'est ce qu'on transmet aux gens qui nous suivent, qui montrent qu'on est bien éduqué. La vulgarité n'a jamais éduqué quelqu'un. Une fois que tu es vulgaire, on sait que tu es une personne qui est très mal élevée et qui n'a pas reçu d'éducation. Qui n'a pas. C'est que, voilà. C'est tout simplement. Donc, je suis habituée à ce genre d'injures. Il n'a rien créé. C'est les mêmes choses, ce sont les mêmes choses depuis des siècles que les gens racontent sur les réseaux sociaux, grand frère. Donc, faut pas que ça t'a, faut pas que ça va t'atteindre. Voilà. Faut pas que ça va t'atteindre. J'ai compris ton message. Je te remercie pour le respect et la considération. C'est pour ça que j'ai fait ce direct. Pour ton respect et la considération, le respect et la considération que tu m'as apporté. Pour prendre ton temps, pour me faire une si longue lettre. Ce n'est pas permis à tout le monde, excusez, d'être respecté de la sorte. Merci pour ton respect. Merci infiniment. Mais c'était nécessaire. En tout cas, pour moi, c'était nécessaire de le faire. Maintenant, tout de suite, les gens ne vont pas comprendre. Mais plus tard, les gens vont comprendre ce direct-là. Mais direct, c'est tout ce que j'ai fait contre lui, là. Plus tard, les gens vont comprendre. Certains ont compris. Mais il y a encore des bonnets et des bêtes qui persistent à ne pas comprendre les choses. Mais plus tard, les mêmes vont s'asseoir. Aya avait raison. Ça, c'est mon nom de caresse sur Facebook. Aya avait raison. C'est mon nom de caresse sur Facebook. Donc, il n'y a pas de souci. J'ai compris ton message. Je ferai l'effort
Bon, après, je ne mets pas les organes, quoi. C'est-à-dire que je me distrais. J'essaie de me distraire avec lui. C'est tout simplement ça. Et sinon, par rapport à mon enfant, c'est vrai, je l'allaite. Mais comme je ne mets pas les organes, je suis fatiguée. Oh my God. Comme je ne mets pas les organes, excusez-moi. Comme je ne mets pas les organes, ça n'agit pas sur mon enfant. Parce qu'une femme qui allaite, c'est quand elle est fâchée. C'est quand elle est fâchée, elle a la colère et tout, c'est pas bon pour l'enfant. Mais moi, je n'ai pas de colère. Je suis en train d'éduquer un vieux qui a raté sa vie. Déconstruire un gros menteur sur les réseaux sociaux. C'était ça le but. Sinon, zéro organe. Parce que tout ce qu'il raconte, c'est des choses que des gens ont déjà dit. Il n'apporte pas de preuves. Il n'apporte rien. Moi, quand je parle de lui, je dépose une preuve. C'est ça le clash. Donc, j'ai compris ton message. Et puis, je vais mettre ça. Je vais. On m'a dit. J'en tiendrai compte. Voilà. En tout cas, merci pour ton respect. Merci pour la considération. Merci vraiment. C'est gentil. Après, les amis, nos produits magiques miracles sont disponibles. Voilà. Vous pouvez toujours contacter le plus 337 58. Voilà. 47 96 73 ou le 00 225 0 1 0 1 56. Que quelqu'un me mette le numéro de produit 56 52 56, non, je crois. Joyce, tu peux me mettre le numéro de produit, s'il te plaît. Elle ne retient pas le numéro d'habitant là toujours. Donc, ce sont les mêmes choses. Ce sont les mêmes bavardages. Merci. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Il n'a rien créé. Donc, 01, 01 01 52 52 56 00, c'est ça. Hein? C'est le numéro d'Abidjan. Faut que je retienne le numéro là. Hein? Voilà. Donc, dites ça à mon grand frère. Dites-lui que j'ai compris son message et que je le remercie pour la considération. Mais c'était nécessaire. Et qu'il y a zéro problème concernant mon enfant avec. Voilà. Parce que je ne mets pas les organes. Je ne considère pas ces mensonges qu'il raconte là. Voilà. Parce que les intelligents savent qu'il ment. Voilà, que tout ce qu'il sait faire, c'est devenir insulté quand il perd un combat. Salut, Caro, ça va? Quand il perd un clash, il mène un jus. C'est tout. Quand il sait qu'il a perdu, il n'a plus rien à perdre là. Jean, il est cabri mort. Il mène un jus, il commence à insulter. C'est ce qu'il se fait. Voilà. Non, c'est rien, quoi, je m'en fous. Tant qu'il n'a pas montré sa maison, il n'a rien à me dire. C'est ça le truc. Son direct, il va faire aujourd'hui, là. Il n'a qu'à montrer la maison, sa maison où il vit. C'est ça, tout ce que lui demande. C'est tout ce que je lui demande. Je suis en train de vous lire. J'envoie un message pour mes clients. D'accord, donc je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vais revenir un peu plus tard. Je vais vous laisser.
merci, c'est gentil. Donc, des bisous, je vous fais de gros bisous, mes bébés. Bon après-midi chez vous. Bon après-midi chez vous. Et puis, comment va Kilou? Kilou va bien. Kilou va bien. Les colis qu'on voit, en tout cas, ça a diminué. Ça va. Il va très bien par la grâce de Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci. Bon, c'était moi. Ciao, ciao. On se dit à tout. On se dit à bon, peut-être le soir, à ce soir. Je sais pas trop. Peut-être que je serai en direct, peut-être que je ne vais pas faire, mais je sais pas. Donc, bisous et puis prenez soin de vous. Donc, mon grand frère, merci. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ton respect. Merci vraiment pour ce message. T'inquiète, les clashs, je ne fais plus le clash. J'ai dit, je ne fais plus de clash. Et tu ne vas pas me voir dans les clashs. J'étais en mode recadrage, en mode déconstruction, en mode dévoilage. C'est différent du clash. Voilà. Un bisou et puis bon après-midi.